Le bruit des pelotes résonne de nouveau dans ce trinquet de Mouguère, adossé à un restaurant. Après plusieurs mois sans activité, l'établissement revit depuis cet automne grâce à un jeune couple, Amandine et Sébastien. Une reprise d'activité, fruit d'une reconversion. Alors moi, j'étais comptable à la base et Sébastien était postier. On avait déjà ce projet avant le confinement. Et puis bon, le confinement étant passé par là, du coup, on s'est perfectionné. Moi, j'ai travaillé dans une pizzeria. Seb a passé son CAP cuisine. Moi, j'étais un ancien joueur de pelote avant, quand j'étais plus jeune. Et du coup, on est tombé vraiment sous le charme de l'établissement et qu'on voyait aussi un potentiel pour refaire vivre ce bâtiment, voilà, comme un peu avant, à la belle époque. En rouvrant ce restaurant, ils ont fait le choix de ne mettre à la carte qu'une seule spécialité, le croque-monsieur, décliné sous toutes ses formes, salé et sucré. On fait des croque-monsieur revisités à base de produits frais. On privilégie les produits régionaux et français. On vit notre concept à fond. Le midi, on le mange en menu et le soir, on tapasse à picorer entre amis. En fait, du coup, nos pains en fait, sont faits 100% artisanal par un boulanger. Et après, tout est ici en cuisine réalisé 100% maison par mois. Là, j'ai une recette, c'est moutarde poulet à l'ancienne. Et après, là, c'est une piperade. Croque ce grand aussi avec des frites. Avec ce concept simple et des produits de qualité, leur objectif est de redynamiser ce lieu. Ils espèrent aussi encourager les usagers de cette route très passante en bord d'Adour à faire ici une pause gourmande.